infranchissable, le bourreau des Istriens. Mihai Popescu a réussi une prestation époustouflante face au promu provençal, dans la lignée de sa démonstration face à Cesson-Rennes la semaine passée. Aussi intraitable de loin que dans les duels auprès. Un dernier rempart rassurant qui facilite la tâche de ses partenaires varois, facile vainqueur du premier relégable. C'est agréable de jouer comme ça quand on récupère des ballons en défense. On peut monter le ballon, ça facilite le jeu, ça fluidifie notre jeu et derrière, voilà, ça nous permet de, même si à un moment donné Istres est revenu un petit peu en fin de match, de dérouler et de mettre le rouleau compresseur en route. Grâce au rendement de leurs gardiens, les Raphaëlois capitalisent sur les ailes. Ampus Hildenbach, 5 buts et Raphaël Cocheteux, 7 unités, se régale. À la dérive offensivement avec seulement 2 buts marqués dans le premier quart d'heure, Istres s'en remet à son gardien Robin Capel pour garder espoir. Mais le manque d'agressivité et les problèmes récurrents à la finition vont faire les affaires des Varois qui vont contrôler la seconde période. Dans une dynamique positive, le SRVHB met la pression sur Aix pour la 6e place. En face, malgré sa 4e défaite consécutive, Istres n'a pas dit son dernier mot pour le maintien. Il nous reste 4 matchs, dont 2 à domicile, qu'il faudra absolument gagner, sinon on ne méritera pas notre place en Lidl Star League. Le promu jouera un match capital dans 2 semaines face à la Lanterne Rouge, Potokombo.